Est-ce que vous avez apprécié le pasteur Bastien? Eti mulimfurahia mchungaji Bastien. Merci. Asante. Il va nous donner son dernier message. Atatuletea ujumbe wake wa mwisho. Il a été une grande bénédiction. Alikuwa baraka kubwa. Merci pasteur Bastien. Asante mchungaji Bastien. Pendant que nous sommes debout, nous allons prier Dieu. Wakati tuko bwima tutaomba Mungu. Notre merveilleux Père Céleste, nous voici encore une fois devant toi. Nous sommes venus au rendez-vous. C'est toi qui avais dit que là où deux ou trois seront réunis en ton nom, tu seras au milieu d'eux. Père Céleste, nous croyons que ce matin, tu es au milieu de nous. Tu vas nous parler, tu vas nous délivrer, tu vas nous bénir. Et surtout, tu vas nous remplir de ton esprit. Bénis notre réunion. Conduis-nous sous le sang. Réponds au désir d'un chacun de nous. Guéris les malades. Ce matin, délivre les captifs. Manifeste-toi puissamment au milieu de nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir, mes bien-aimés. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis très content de me retrouver au milieu de vous. Et je remercie l'Éternel notre Dieu pour ce privilège qu'il m'a accordé. Je remercie le révérend pasteur Racheté qui m'a confié sa chair du dimanche au dimanche. En fait, que je puisse prêcher au peuple que Dieu lui a confié. Je remercie chacun de vous pour cette disponibilité de venir écouter sa parole. Franchement, je suis très content. J'ai de bons souvenirs pour Fellowship Tabernacle. C'est aujourd'hui que nous allons mettre une virgule. Ni leo tutatia mkato na au temps de Dieu dans sa selon sa volonté nous allons nous revoir si pas sur cette terre un jour au pied du maître na kufatana mapenzi yake siku moja tutaonana kama ina pa hii budongo itakuwa kumikulu ya Bwana. C'est pour cela que nous venons ici. Nous devons avoir cette assurance. Nous bénissons l'Éternel pour chacun de vous. Tu peux saluer la personne qui est à tes côtés. Dis-lui que Dieu te bénisse. Ce matin, nous allons prendre nos Bibles. Tutachukua Biblia zetu. Nous allons lire dans le Nouveau Testament, dans le livre de Matthieu. Tasoma mkitabu kia Matayo. Matthieu chapitre 7. Matayo sura yake ya saba. Les versets 13 et 14. Mustari yake ya kumi na tatu kufika kumi na ine. Entrez par la porte étroite. Ingieni kumulango mwembamba. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Kwani mlango ni munene na njia ni munene kabisa ile napeleka kupotevu. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Na kuna wengi wanaingililia lwa pale. Mais
Étroite est la porte. Voilà qui ni mlango ni mwembamba. Resserrer le chemin qui mène à la vie. Njia iliyopeleka kuzima ni yenye kukonda. Il y en a peu qui les trouvent. Ni wachache tu ndio wanapata njia ile. Seigneur Jésus. Bwana Yesu. Ce matin, nous prions que l'Esprit qui a édité ces saintes écritures que nous venons de lire. Ya subuhi tunaomba roho yenye iliandika imeandiko takatifu tunatoka kusoma. Que le même esprit descende au milieu de nous pour nous en donner le contexte. Ile roho moja moja ichuke katikati yetu kwa ajili ya kutupatia maana ya miandiko hii. Parle-nous ce matin au travers de ta parole, parlez par les prophètes du temps de la fin. Sema na sisi asubuhi ya leo kupitia neno iliyonenwa kupitia nabii wa wakati ya mwisho. Que la gloire te revienne. Kwako kukurudirie utukufu. Pour les salis de ton peuple que nous sommes. Kwa ajili ya wokovu ya taifa yako ile tuiko. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jina ya Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir mes bien-aimés. Mnaweza kuketi wapendwa wangu. Ce matin, ya asubuhi, nous allons parler du mystère du chemin du ciel. Tutasemea kuhusu ile huduma ya njia ya kwenda mbinguni. Le mystère du chemin du ciel. Le chemin du ciel, c'est un mystère. Siri ya kwenda mbinguni, siri ya kwenda mbinguni. C'est vraiment un mystère. Kwenda mbinguni ni siri kabisa. Puisque dans cette matinée dominicale, kwani mwi asubuhi ya Jumapili, tous les bruits que vous entendez dans chaque coin de rue ici à Lubumbashi et partout au Congo, ce sont des regroupements de gens, des attroupements de gens qui prétendent aller au ciel. Mukila kona ya balabala Lubumbashi na mukongo yote muzima ni mavikunji ya watu, mkusaniko ya watu wale uko na dhania kwenda mbinguni. Les gens se sont réunis par centaines, par milliers, par-ci, par-là. Watu walikusanika kuma mia, kuma alfu, uku, nakule. Et chaque groupe prétend aller au ciel. Na kila kikundi inafikiri kuenda mbinguni. Même nous qui sommes venus ce matin ici. Hata sisi wale tulikuya apa asubuhi ya leo. À moins qu'on soit simplement apporté. Mais sinon, c'est avec un ardent désir d'aller au ciel. Nakuya hapa hakika nina ile nia kubwa ya kwenda mbinguni. Je ne pense pas qu'un homme normal, une femme normale qui a tous ses bons sens, sifikiri ya kwamba mwanaume tu mzima, mwanamke mzima, ule kona akili yake yote, peut venir ici pour un autre motif si ce n'est celui d'aller au ciel. Anaweza kuwa hapa kwa ajili ya kifukuzio kingine isipokuwa kifukuzio ile ya kwenda mbinguni. Tous nos projets, nous les faisons là où nous sommes. Mais quand nous venons ici, c'est avec un souci de passer de cette vie à la vie éternelle qui vient après celle-ci. Puisque après cette vie, il y a une autre vie. Mapo yotu yote ile tukona ifania kule. Wakati tunakuja hapa tunakuwa na shida moja ya kutafuta uzima wa milele, kwani kisha hii maisha kuko maisha nyingine inaitwa uzima wa milele. Et à l'endroit où nous venons de lire, c'est le maître lui-même qui nous parle. Na fasile tunatoa kusoma ni mwalimu yeye peke ndio anasema na sisi. Que pour aller au ciel, na kwa ajili ya kwenda mbinguni, entrez par la porte étroite. Ingililieni kumlango mwembamba. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Wani mlango ni munene, njia inapeleka kupotevu ni munene. Et il y a beaucoup qui entrent par là. Na kuna wengi wanaingililia pale. C'est pour dire que beaucoup d'adorateurs ce matin, ni kwa ajili ya kusema waabudu wengi asubuhi ya leo, ont marqué le but. Walikosa kifukuzio. Ils vont à la perdition. Weko naenda kupotevu.
Mais toi et moi, voilà, we na mie, entrons par la porte étroite. Kuile mlango mwembamba. Cette porte est étroite. Kile mlango ni mwembamba. La porte qui conduit à la vie. Mlango yenye naongoza kuzima. Le chemin qui mène à la vie. Njia ile inapeleka kuzima. La Bible dit il est resserré. Biblia inasema iko yenye kukonda. Et il y en a que peu, na, très peu qui le trouvent. Ni wachache tu, wachache sana zaidi ndio wanaipata. Vous devez avoir du bon sens. Unapasha kuwa na akili nzuri. Nous devons avoir du bon sens. Unapasha kuwa na akili nzuri. Pour comprendre. Kwa ajili ya kuelewa. Que la vie que nous voyons. Asema maisha hii tukunaona. C'est simplement la négative de la vraie vie qui est de l'autre côté. Ni kimvuri tu ya maisha ya kweli ile ko ngambo ya pili. Ici nous soupirons, hapa tuko na ugua, nous nous battons vainement, tuko na kombana kabisa. Et tout ce que nous faisons ici, c'est la poursuite de vent. Na yote le tuko na fanya hapa ni kuandama tu mpepo. Si nous sommes venus à cet endroit ce matin, kama tulikuwa paifasi asubuhi ya leo, c'est pour acquérir de la sagesse. Ni kwa ajili ya kupata hekima. C'est pour recevoir un message qui va nous conscientiser. Ni kwa ajili ya kupokea ujumbe ile talamusha dhamiri yetu. En fait de prendre toutes nos dispositions. Ili tupate kuchukua matayarisho yetu yote. Pour comprendre que le monde, ce monde qui s'émère nous fait agiter vainement. Kwa ajili ya kuelewa sema hii dunia iko na kufa hii iko na tuhangaisha tu bia bule. Mais il y a une vraie vie, une vraie et meilleure vie de l'autre côté. Walakini kuko uzima ya kweli, uzima ya kweli na bora ngambo ya pili. Dans la prédication, étroite est la porte. Katika maubiri mlango ni mwembamba. Frère Branham dit ceci. Doko Branham anasema hivi. Au paragraphe 50. Kukifungo yake ya 52. Notre Seigneur donnait cet avertissement sévère aux gens de sa génération. Bwana wetu alikuwa analeta hii angalisho ya makali kabisa kwa watu wa kizazi yake. Des gens qui étaient très religieux. Watu wenye walikuwa kwa kidini kabisa. Et il leur dit, na aliwaelezea, étroite est la porte. Mulango ni mwembamba. Et resserré le chemin qui mène à la vie. Na ile njia inapeleka kuuzima ni yenye kukonda. Et il y en aura peu qui les trouveront. Na kutakuwa tu wachache ndio wataipata. Maintenant, sasa, ce n'est pas qu'ils n'étaient pas religieux. Aina kusema abana ba kidini. Ils étaient très religieux. Walikuwa kwa kidini kabisa. Et parce qu'ils avaient mis leur confiance dans l'église et dans certains credos et dénominations. Ni kwani walitiaka tumaini yabo mukanisa na makredo fulani na muzeebu. Et qu'ils avaient cru en Dieu jusqu'à un certain point. Na walimwamini Mungu hadi munukta fulani. Il pensait que tout allait bien. Walikuwa kana zania kwamba yote kwa nendeka sawa. Mais il était en train de leur dire qu'il y en aurait peu qui entreraient. Walakini alikuwa kana waelezea sema kutakuwa tu wachache ndio ataingiaka. Il y avait des foules et des foules des ecclésiastes. Kulikuwa ka maumati na maumati ya watu wa kuenda kanisa. Des gens religieux, très religieux. Wakidini sana kabisa. Frère Branham dit, ndibama nasema, imaginez-vous que le maître lui-même était encore sur cette terre. Wazeni mwalimu yeye peke alikuwa chingariki pa hii budongo. Mais il y avait beaucoup d'adorateurs. Des gens très religieux. Ils étaient nombreux qui n'étaient pas d'accord avec le Seigneur Jésus-Christ. Walakini kulikuwa ka waabudu wengi
wengi zaidi wa kidini wale hawakukubalianake na Bwana Yesu Kristo. Un tel enseigne qu'il prétendait adorer le Jéhovah. Munamna kusema walikuwa wakizania ya kwamba alikuwa anaabudu Yehova. Ne sacha pas, ne t'a pas révélé que la plénitude de Jéhovah était confinée dans cet homme qu'il rejetait. Bila boku jua, bila boku famu ya kwamba utele ya Yehova ilikuwa si kudingiza yote ndani ya ile mwili walikuwa wakikatala. Voilà pourquoi le Seigneur leur donna cet avertissement sévère. Ni kwa maana Bwana aliwapatiaka hii angalisho ya makali zaidi. Une façon de leur montrer que vous vous trompez, le chemin que vous suivez vous mène à la perdition. Namna kubelezea sema muko na jidanganya. Njia ile muko nafuata iko na mipeleka kupotevu. Même dans sa propre église. Atamu kanisa yake yepeke. Quand il prêcha, wakati alikuwa na ubiri, certaines personnes l'avaient quitté. Watu wengine walimkatalaka. Les 70 l'avaient quitté. Wasabini walimkatalaka. Pourquoi? Kwa nini? Puisque son message, ce que lui présentait comme un chemin, c'était resserré, c'était étroit de la porte. Ujumbe yake ile alikuwa analeta sanjia ilikuwa kukonda mlango ilikuwa mwembamba. Les gens aiment la facilité, les gens aiment une large porte, les gens aiment un chemin spacieux. Watu wanapenda uraisi, watu wanapenda mlango mnene, wanapenda njia kabambi. Quand on leur montre un dieu historique, wakati wanaonesha mungu wa kihistoria, quand on leur présente un évangile social, ils sont contents et ils sont flattés avec cela et ils aiment cela. Wakati wanawaletea injili ya kijamii wanafurahi, wanafurahia ile na wanapenda ile. Les gens aiment un message où on leur promet, on leur montre, on leur prêche qu'ils iront en Europe, qu'ils iront aux États-Unis. Ils aiment le social, ils aiment le bonheur, ils aiment la luxure. Watu wanapenda ujumbe ile wanawahubiri asema mutapata bifulani, mutaenda kubulaya, mutakuwa na maisha ya raha. Njo ile wanapenda. On ne refuse pas. Atukatale. Ce sont des dividendes qui vont suivre ceux qui seront dans les bons, mais nous ne venons pas ici pour les sociaux. Ile ni mafaida itafuata wale watakuwa mumwili, kwa lakini hatukui hapa kwa ajili ya kijamii. Nous venons ici pour vous montrer combien est resserré le chemin qui mène à la vie. Tunakuja hapa kwa ajili ya kumionyesha namna gani njia ile inapeleka kuuzima ni njia yenye kukonda. Nous ne venons pas ici pour vous montrer que si vous croyez, ici vous serez bénis, vous aurez des jeeps, vous aurez des mariages, vous aurez des villas. Ce sont des dividendes qui suivront ceux qui auront cru. Atukuya hapa kwa ajili ya kumionyesha sema kama mnaamini mutapata majip, mutapata manyumba, mutapata mandoa. Ile ni mafaida ile tafuata bale batamini. Le mystère du chemin du ciel. Ile siri ya njia ya kwenda mbinguni. Je serai un imposteur si je me mets à vous dire que quand vous croyez, vous venez dans le message, fini avec la maladie. Vous ne tomberez plus malade, vous ne dormirez plus affamé, vous n'aurez plus de difficultés. Je serai un imposteur si je vous apporte un tel message. Takuwa mkorofi kana mienesha sema mukikuwa mujumbe, amutateswa tena, amutakuya wagonjwa, mitakuwa muongo mkumionesha bitu ya vile. Je préférerais vous dire la vérité. Il est vrai que la vérité ne vous rendra jamais populaire, mais la vérité ne me rendra honnête. Tapenda nikoneshe ukweli. Ni kweli ukweli itanikuisha washipoka vumu, kwa lakini ukweli itanikuisha mtu mwenye uwaki. Vous n'avez pas cru à un Dieu qui vous fait dormir sur un lit fleuri
un lit de la facilité. Non, resserré est le chemin qui mène au ciel. Et le ciel appartient aux vigoureux. Vous devez combattre, vous devez vaincre pour y accéder. Amukwamini, Mungu ule amipatia njia ya teketeki hapana. Njia ni ya watu wa nguvu wa hodari ndio mtaipata njia ile. Les catholiques prétendent être sur le chemin du ciel. Wakatolo wanafikiria kwamba yuko mungia kwenda mbinguni. Les baptistes disent non, c'est nous qui sommes sur le chemin du ciel. Wabaptiste wanasema hapana ni sisi ndio tuko mungia kwenda mbinguni. Tous ces groupes qui sont créés pour des raisons sociales ou financières se prétendent aussi amener les gens au ciel et aller au ciel. Ima vikundi yote hii inaumbiwa mukifukuzio ya ujamii na wanawazia kwenda kumbingu asema watapeleka watu kwenda mbinguni. Nous qui avons cru au message, nous devons comprendre le mystère du chemin du ciel. Voilà pourquoi Frère Branham nous dit ceci. Dans la prédication, la puissance de transformation. Prêché dimanche 31 octobre 1965 matin. Au paragraphe 41, Frère Branham dit ceci. Mes chers amis, je ne suis plus jeune comme vous tous ce matin. Mais je suis vieux. Je suis passé au travers de beaucoup de durs combats. Voyez? Et on passa au travers de ces durs combats. Cela vous conduit à vous, cela vous conduit où vous êtes ce matin. Voyez, naona. Ainsi, je suis sûr que vous le comprenez. Suivez bien. Fata mzuri. Dieu m'a fait passer au travers de cela. Mungu alinipitisha kupitia ile. Au travers de beaucoup de durs combats, afin que ma vie puisse ouvrir le chemin pour dire, c'est cela, vous voyez? Alors vous parcourez tous cette route. Mais avant moi, il y a eu quelqu'un qui a ouvert le chemin pour que je puisse y marcher. Voyez? Et nous ouvrons la route les uns pour les autres. Le mystère du chemin du ciel. Frère Branham dit, mes amis, je suis passé au travers de beaucoup de durs combats. En fait que vous soyez là où vous êtes ce matin. Si nous nous sommes réunis ici ce matin, c'est puisque Dieu nous a envoyé William Marion Branham. Et William Marion Branham qui a été envoyé, il est passé par des durs combats, il a mené des durs combats, en fait que le message soit alors ce qu'il est aujourd'hui. Voilà celui qui nous a ouvert le chemin. Si Branham n'était pas venu, s'il n'avait pas combattu, Dieu l'a fait passer au travers de beaucoup de durs combats. En fait que sa vie puisse nous ouvrir le chemin. Frère Branham,
pour faire asseoir ce message. Il a prêché en salopette. Frère Branham, pour que ce message puisse aller de l'avant, il a accepté de vivre pour les autres. Il a fait ce qu'il ne pouvait pas faire. Il pouvait se prendre lui-même en charge. Il est allé, il faisait tout pour se prendre lui-même en charge. Frère Branham, ne voulait pas faire de l'église ce que les dénominations. Ce que les dénominations font. Il est passé par des durs combats. Et sa vie nous a ouvert le chemin. Ces durs combats ont fait de nous ce que nous sommes. C'est à cause de ces durs combats que nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes. Mais le message qu'a Frère Branham a commencé avec ça, ce n'était pas facile. Ce message qui nous habille aujourd'hui, ce message qui nous nourrit aujourd'hui, ce message qui est objet de polémiques et de tiraillements, celui qui l'a amené, il avait un bon esprit, il avait un esprit supérieur, c'était pour nous amener au ciel. Branham n'a jamais fait de ce message une unité de production pour exploiter le peuple de Dieu. Frère Branham n'a pas fait de ce message l'héritage personnel de sa famille, puisque le message était pour un peuple appelé l'épouse du Seigneur. Uriti ya kipekee ya familia yake kwani hii ujumbe ililetwa kwa ajili ya bibi harusi wa Bwana. Il nous a ouvert le chemin. Si vous suivez ce que Frère Branham a dit, si vous suivez ce que Frère Branham a dit, vous êtes différent des pentecôtistes. Vous serez différent des baptistes. Mais si vous êtes dans le message, sans suivre ce que Frère Branham a fait, sans suivre ce que Frère Branham a dit, vous ne serez pas différent de tous ces groupes commerciaux. Le message, c'est le chemin du ciel. Croyez à ce message tel que le messager l'a apporté. Je suis passé au travers de beaucoup de durs combats. Et en passant au travers de ces durs combats, cela vous conduit où vous êtes ce matin. Là où vous êtes ce matin, vous êtes béni. Là où vous êtes ce matin, bien habillé, un homme respectable, une femme respectable, Dieu vous a béni, Dieu vous a honoré. À cause de dire combat que Frère Branham a mené, pour que ce message reste la parole parlée, il n'a pas voulu dévier d'un seul iota. Frère Branham n'a pas voulu de faire des compromis. Il a gardé le message stable. Si nous allons au ciel, gardons le message stable. Gardons le message honorable. Honorons le message. Ce message nous amène au ciel. Ce message fait de nous des grands hommes,
des grandes dames honorons le message. Honorons le message si nous voulons aller au ciel. Les mystères du chemin du ciel. Dans la prédication, l'état présent de mon ministère. C'est prêché un certain samedi le 8 septembre 1962. Le mystère du chemin du ciel. Ile siri ya njia ya kwenda mbinguni. Paragraphe 80. Kifungu yake ya 80. Un de nos diacres ici. Moja ya washemasi wetu hapa. Je ne sais pas s'il est ici ce soir ou pas. Sijue kama yuko hapa magharibi ya leo au hapana. Il s'agit de Tony Isabel. Inaangalia nduku Tony Isabel. Il s'agit donc de Tony Isabel, le diacre en question. D'habitude, il est ici. Il est venu vers moi et il m'a dit ici, il n'y a pas longtemps, il a dit, j'ai fait un rêve bizarre. Il a dit, j'ai rêvé que j'essayais de trouver mon chemin vers le ciel. Il a dit, j'ai vu venir un homme vêtu d'une toge noire. Et il était en train de lire un livre. Dit-il. Je suis allé vers cet homme et je lui ai demandé, quel est le chemin pour aller au ciel? Il répondit, demandez à cet homme qui est devant moi. Cet homme en toge noire qui était en train de lire un livre. Frère Branham dit qu'il était un prédicateur, un pasteur. Mais dans le songe, Tony Isabel vint vers lui, lui demande de lui montrer le chemin du ciel. Quelle malheureuse surprise! Ce pasteur ne savait pas. Et pourtant, il prêchait la Bible. Il prêchait la Bible sans savoir le chemin du ciel. Demande à cet homme qui est devant moi. Celui-ci était un pasteur d'une église où il était allé. 81. Il est allé un peu plus loin. Et il a rencontré un autre homme qui portait une toge noire et marchait en chantant des cantiques. Il chantait des cantiques. Comme nous avons aussi beaucoup de pasteurs chanteurs aujourd'hui. Ils étaient aussi du temps de Frère Branham. Et Tony Isabel a été conduit par le premier pasteur qui n'avait pas de réponse en matière du chemin du ciel vers ce deuxième pasteur. Tony Isabel a été conduit par le premier pasteur. Qu'est-ce que Frère Branham dit? Il dit que c'était un autre pasteur. En toge noire, marchant en chantant des cantiques. Ces deux pasteurs sont des amis personnels. Et des hommes bien. Et il dit,
Quel chemin dois-je prendre pour atteindre les sommets de cette montagne? Il dit, écoute, dit-il, tu vois là tout au sommet de ce tout petit gars? Tu vois là tout au sommet ce tout petit gaillard, ce tout petit gars? Je dis, oui, il dit, il y avait là un gars en blé de travail et avec un de ses petits chapeaux de cow-boy. Le deuxième pasteur qui était chantre, il dit, tu vois au sommet là, ce petit gars qui est là en bleu, en chapeau de cow-boy, il a dit, quelqu'un a dit, là-bas au Kentucky, il a dit en parlant de moi là-bas, il a dit, ce gars ressemble à tout sauf à un prédicateur. Il pourra ressembler à un fermier ou à quelque chose comme ça. Mais vous savez, ce ne sont pas les apparences qui comptent. Fellowship. Fellowship. Ne regardez pas aux apparences. Puisque il y a des gens qui sont grands, qui ont de bonnes apparences, mais qui n'amènent pas au ciel. Ils ne connaissent pas le chemin du ciel. Faites attention aux personnes que vous négligez. Nous sommes très mal habitués. Nous sommes très très mal habitués. Quand une personne arrive dans la ville, puisqu'il a un grand nom, il y a même des églises qui se vident pour aller vers celui-là, puisqu'il a un grand nom. Faites attention avec les apparences. Faites attention avec les apparences. Vous pouvez aussi négliger Dieu puisque vous tenez compte de l'apparence qui n'a pas tellement de signification pour vous. Et vous qui êtes négligé, prenez courage. Quand vous êtes négligé, comprenez que votre Seigneur lui-même a été négligé. Votre prophète a été négligé. Soyez fiers quand on vous néglige. On a regardé Branham. On dit il ressemble à un fermier. Il ressemble à un agriculteur. Il ressemble à un mécanicien. Il ressemble à tout sauf un prédicateur. Alléluia. Alléluia. Et pourtant c'était qui? C'était l'homme qui est venu accomplir la promesse de Malachi 4. C'était l'homme qui est venu accomplir Luc 17:30. Frère Branham était Dieu dans la chair humaine, mais il était négligé, abandonné. On le servait le dernier.
On devait d'abord servir les grands. Mais quant à lui, on devait le servir les derniers. Alléluia. Or, c'était lui le messager de l'âge. C'était lui le pasteur de tout ce monde. C'est lui qui connaissait le chemin du ciel. Pas seulement il connaissait le chemin du ciel, il était lui aussi, le chemin. Il ouvrait le chemin. C'est lui qui ouvrait le chemin pour les autres. Si toi tu iras au ciel, si moi j'irai au ciel, c'est puisque Branham m'a ouvert le chemin. Il pourrait ressembler à un fermier ou quelque chose comme ça. Anaweza kufanana na mlimaji wala kitu mwaki avili. Mais vous savez, walakini mnajua, ce ne sont pas les apparences qui comptent. Haiko mahali ya nje ndio kwa lazima. La première leçon que tu dois retenir ce matin. Mafundisho ya kwanza ile unapasha kushika asubuhi ya leo. Salut ton frère, salut ta sœur, dis-lui, ce ne sont pas les apparences qui comptent. Msalimie ndugu yako, dada yako, mwelezee haiko mahali ya nje ndio ya lazima. Faites attention avec les apparences. Keba ange na mahali za nje. La sœur que tu négliges là. Dada ule kuna zara ule. La sœur que tu hais. Le frère que tu négliges, faites attention. Peut-être il incarne Dieu dans sa vie. S'il a le Saint-Esprit, alors vous êtes en embuscade. Faites attention avec les apparences. Sur le chemin du ciel, faites attention avec les apparences. Faites attention avec les apparences. Des fois, celui que tu trouves gras, il ne connaît pas le chemin. Que cette cantique ne t'effraie pas. Tony Isabel a rencontré un homme à Toge. Il chantait les cantiques. Mais peu importe ses cantiques, peu importe son habillement, peu importe sa taille, s'il faut parler du chemin du ciel, il a orienté Tommy Osborne vers William Marion Branham. Aliongoza Tommy Osborne kwa William Marion Branham. 83. 83. Et il dit que aliona kwamba c'est moi qui me tenais là-haut. Akasema ni mimi ndio nilikuwa kusimama pale yulu. Il grimpait jusqu'à ce qu'il arrive à moi. Alipanda paka na pale alifika kule kwangu. Et il me dit que nakanyelezea je l'ai pris par les bras. Nilimshika kumkono. Et que je l'ai conduit jusqu'au sommet de la colline. Na nilimongoza paka kuchongo ya mulima. Frère Branham. Ndugu Branham. Prends-moi par tes bras. Unibambe kupitia mkono yako. Conduis-moi jusqu'au sommet de la colline. Conduis-moi jusqu'au sommet de la révélation. Ce matin, je veux que Frère Branham nous conduise au sommet de la colline, là où il y a la révélation, là où il y a le baptême du Saint-Esprit, là où il y a l'enlèvement, là où il y a l'amour parfait, là où il y a l'amour parfait. Ce matin, que Branham te conduise là où il y a l'amour parfait, au sommet de la pyramide. Ce matin, ne reste pas à la foi.
kwa imani, ne reste pas à la vertu, ne reste pas à la connaissance, ne reste pas à la tempérance, ne reste pas à la piété, ne reste pas là, monte jusqu'au sommet, là où il y a l'amour parfait, là où il y a l'amour parfait, tu veux aller au ciel, monte au sommet de la montagne, là où il y a l'amour parfait, là où il y a le mystère, le ministère de la pierre de fête, montez ce matin. Alléluia. Alléluia. Il m'a pris par les bras. Alinishika kumkono. Il me dit que je l'ai pris par les bras. Et je l'ai conduit jusqu'au sommet de la colline. Et il y avait un désert à traverser. Quand on traverse le désert, il n'y a pas de forêt. Pori. Il n'y a pas d'ombrage. Akuna kimvuri. Dans le désert, Mujangwa, il n'y a pas de chalet. Amuna joto. Dans le désert, Mujangwa, il y a des épreuves très dures. Muko majaribu yangu. Frère Branham, Dugu Branham, aide-moi à traverser le désert. Unisaidie nitambuke le jangwa. Prends-moi par la main. Unibambe kumkono yako. Aide-moi à traverser les déceptions. Unisaidie nitambuke mafazaiko. Aide-moi à traverser les calomnies. Unisaidie nitambuke mashimango. Aide-moi à traverser les humiliations. Aide-moi à traverser les épreuves. Si le chemin du ciel, il y a des déserts à traverser, il y a des eaux profondes, il y a des terres boueuses, il y a des terres rocaillées. Si le chemin du ciel, il y a des épines. Si le chemin du ciel, il y a des déceptions. Si le chemin du ciel, il y a des découragements. Si le chemin du ciel, il y a aussi la famine. Si le chemin du ciel, il y a des échecs que vous devez affronter. Il y a des déceptions que vous devez affronter. Il n'y a pas que des bonheurs. Il n'y a pas que des rires. Il n'y a pas que des rires. Il y a aussi des plaies. Si le chemin du ciel, il n'y a pas que des cris de joie. Il y a aussi des cris de détresse. Quand ça vous arrive, ne sois pas découragé. Lève les yeux vers le ciel. Dis, je suis en chemin. Je suis en chemin. Vous n'irez pas au ciel si relis de la facilité. Si le chemin du ciel, il y a aussi des déceptions. Si le chemin du ciel, il n'y a pas que des bénédictions, bénédictions, bénédictions. Oui, ça viendra. Mais il y a aussi des déceptions. Si le chemin du ciel, salue ton frère. Dis-lui, si le chemin du ciel, ma tata. C'est dur, muko matata. Il y avait un désert à traverser. Kulikuwa jangwa ya kuvuka. S'il n'y a pas de désert. Kama kuna jangwa. Mais comment vous allez implorer l'aide du Seigneur? Sasa utaomba msaada ya Bwana namna gani? Si le chemin du ciel, kama njia kwenda mbinguni, c'est Dieu, ton Dieu, et le secours qui ne manque pas en cas de détresse. C'est pour dire qu'il y aura des détresses. Ni Mungu mwenye akosake mwakati wa huzuni. Ni kwa ajili ya kusema kutakuwa mauzuni.
Puisqu'il y aura des détresses, c'est alors qu'il y a un secours permanent. Il y a le secours permanent. Si le, dans le désert, Mujangwa, il y a des fils d'Anak qui seront là pour te troubler. Des faux frères, ils seront là pour t'embrouiller dans les affaires, pour t'escroquer. Les fils d'Anak seront là. Si le chemin du ciel, dans le désert, il y a des Moabites qui vont te faire danser, les filles de la Moab, pour te faire tomber sur le chemin du ciel. Si le chemin du ciel. Seigneur, aide-moi. Aide ma maison. Aide ma famille. Tu es le secours qui ne manque pas en cas de détresse. Le chemin du ciel. Branham est passé par là. Il s'est retrouvé. Si le chemin du ciel, il a perdu Hop. Si le chemin du ciel, il a perdu Sharon. Si le chemin du ciel, il a perdu des gens importants. C'est comme si Dieu l'a abandonné. Si le chemin du ciel, il nous arrive comme si Dieu nous a abandonné. Si le chemin du ciel, il nous arrive des déceptions. Là vous dites, qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. C'est ça le chemin du ciel. Et quand vous voyez ça, des déceptions, des abandons, si le chemin du ciel, on va t'abandonner. Si le chemin du ciel, les vôtres vont te tourner le dos. Si le chemin du ciel, ce que tu as nourri, ce que tu as nourri, les gens que tu as nourris, les gens que tu as vêtus vont se tourner vers vous. Si le chemin du ciel, les gens que tu as servis vont vous rejeter. Si le chemin du ciel ne vous entendez pas au bien, à un acte de bon au retour. Non. Si le chemin du ciel, il y a ça. Il y a l'ingratitude. Si le chemin du ciel, il y a l'ingratitude. Si le chemin du ciel, il y a des déceptions. Si le chemin du ciel, nous atterrons des gens. Il y a des séparations douloureuses. Si le chemin du ciel, lève tes yeux. Dis merci Seigneur. Je dis, Nikasema, Tony, je dois te laisser ici. Mina pasha kukwachia hapa. Tu dois marcher un bout tout seul. Una pasha kutembea sasa hiki pande. Il dit, frère Branham, qu'est-ce que je peux faire à partir d'ici? Branham dit, si le chemin du ciel, moi je te laisse ici. Tu dois continuer. Hein? Oui. Ndio. Tu dois marcher tout seul. Unapasha kutembea. Tu regardes à gauche, à droite. Branham dit à Tony, Branham analyse à Tony, je dois te laisser ici. Tu dois continuer seul. Si le chemin du ciel, à un certain niveau, le diacre s'arrête. Le prédicateur s'arrête. Le pasteur s'arrête. Oh non, pasteur dit non. Ça, tu dois continuer seul.
sur le chemin du ciel. À un certain moment, papa te laisse. Baba na kuacha. Maman te laisse. Mama na kuacha. Tu dois marcher seul. Kutembea we peke. Je n'ai pas appris à préparer. Mie, non, tu dois marcher seul. Unapasha kwenda we mwenyewe. Si le chemin du ciel, tu es devenu un grand. Unakuwa mtu mkubwa. Tu es déjà enseigné. Branham dit à Tony, Branham a Tony ici, asema, apa, moi je te laisse ici. Apa. Et la preuve en est que na, ni kusema, frère Branham, Duku Branham, en 1965, wa 65, il a quitté le trait du message. Il a quitté le trait du message. En 1965, Branham nous a quittés. Le message de frère Branham continue le chemin. C'est le message qui t'a cherché. C'est le message qui t'a trouvé. Mais tu dois marcher seul. Je pense que ce matin, tu dois sentir une onction différente. Je ne te dirai pas, donne-moi un amen pour que je prêche. Non, moi je ne te dirai pas. Ce matin, je ne te dirai pas ça. Donne-moi un amen que je prêche. Non. Je risque de fabriquer quelque chose de faux. Chita jaribu kutunga kintu mwevi ya biabongo. Je dis Tony. Nikasema Tony. Tu peux remplacer Tony par ton nom. Parfois chez Tony, unaweza kuweka hapo jina yako. Popol. Je dis Popol. Nikasema Popol. Je dois te laisser ici. Mina pasha kukuachia hapa. Marthe, je dois te laisser ici. Marthe, mina pasha kukuachia hapa. Tony, je dois te laisser ici. Napasha kukuachia hapa. Tu dois marcher un bout tout seul. Iki kipande unapasha kukitembea we mwenyewe. Il dit frère Branham. Akasema ndugu Branham. Qu'est-ce que je peux faire à partir d'ici? Kuanzia sasa hapa mitafanya nini? 84 89. Il dit que je lui dis, anasema mimi namuelezea, viens ici Tony. Kuya hapa Tony. Regarde là en bas. Tazama kule chini. Tu vois ces empreintes de pieds nus avec du sang dedans? Unaona ile manyao ya mikulu wazi na damu ndani? Je dis, nikasema, c'est ce que j'ai suivi tout le long. C'est ce que j'ai suivi tout le long ces traces de pas assanglantées. Tony, tu vois ça? Tommy, unaona les traces de pas assanglantées? Les traces de pas avec du sang? Je m'arrête ici. Toi, suis cette trace de pas. Seul. Pas avec papa. Pas avec maman. Pas avec les prophètes. Pas avec les pasteurs. Seul. C'est ce que j'ai suivi tout le long. Tiens-toi à cela. C'est la seule chose que je sache indiquer aux gens. Non pas un credo ou une sensation quelconque. Apana credo wala machechemuko fulani. Mais ces empreintes de pas sanglantes qui conduisent à la Bible, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ. Yenye naongoza ku Biblia, damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo. Un jour, siku moja, vous arriverez à la fin
de la conduite, vous arrivez au bout, là où vous vous séparez avec le message. Peut-être c'est en 2023. Peut-être en 2024. Le jour, l'heure, le moment n'est pas connu. Tu arriveras à un point où on t'amène à la morgue. C'est ton corps qu'on amène là-bas. Mais où est ton âme pendant ce temps? On peut te mettre dans un cercueil. Où sera ton âme pendant ce temps? Si tu as fait du message quelque chose d'occasionnel, où est-ce que tu, comment tu vas continuer la course? Kama ulifanya ujumbe kitu moya ya kubahatisha, namna gani sasa pale utendelesha na mwendo? Mes amis, le message n'est pas venu pour nous conduire seulement ici-bas. Vous devez vous préparer à conséquence pour marcher tout seul quand il n'y aura plus personne à vos côtés. Ujumbe aikuye kutongoza paka hapa chini. Unapasha kujitayarisha juu ya kutembea wewe peke wakati hakutakuwa mtu pembeni yako. Honorez ce message. Heshimieni hii ujumbe. Vivez ce message. Uishi hii ujumbe. Craignez ce message. Heshimie muongope hii ujumbe. Nous ne sommes pas venus dans le message pour des futilités. Kwa ajili ya makokotano ya ovyo. Écoutez, frère Branham. Paragraphe 122. Il y a tant de collines à gravir. Kuko birima bia mingi bia kupanda. Et là, on vous conduit. Na pale, beko na kuongoza. On vous enseigne. On vous enseigne. On monte avec vous. On monte avec vous. Banapanda na we. On monte avec vous sur cette colline. Cette colline. Plus vous recevez beaucoup, plus il y a aussi beaucoup d'épreuves à surmonter. Zaidi, ukuna pokea bia mingi, yu wasema kutakuwa pia majaribu ya mingi ilo unapasha kupingana nayo. Et vous devez vous préparer à cela. Na unapasha kujitayarisha kwa ajili ya ile. Plus vous êtes beaucoup enseigné, zaidi unafundishiwa sana, plus vous avez beaucoup de collines à monter. Tena zaidi uko na birima bia mingi bia we kupanda. Et vous fellowship tabernacle, na moi fellowship maskani, vous serez sans excuse puisque vous êtes suffisamment enseigné. Abata miwa razi ata kidoko kwani mweye barisha mifundisha sana zaidi. Vous avez une grande information. Vous avez la totalité même de l'information concernant le message. Ulipata utungo bora kabisa. Muko hata na habari nzuri na tele ile naangalia ujumbe. Mes frères Branham dit, walakini nduba manasema, il y a aussi tant de collines à gravir. Kuko tena birima bia mingi bia mwe kupanda. Il y a des tensions à surmonter. Kuko birima bia mwe kupanda. Des tensions viendront. Ma tension, ma kokotano itakuya. Des tensions viendront dans l'église. Ma mambo itakuya mukanisa. Pasteur, Mchungaji, des tensions viendront dans l'église. C'est pour ça que le Saint-Esprit vous fait sortir pour venir écouter ceci, qu'il y aura des tensions dans l'église. Quand les tensions viendront dans l'église, sache que c'est le diable, c'est l'ennemi. Wakati makokotano itakuwa mukanisa, yu asema ni shetani ni adui. Sois un instrument de Dieu. Kuya chombo ya kazi ya Mungu.
Que les diacres soient des instruments de Dieu pour donner la paix là où il y aura les tensions. Puisque Frère Brenham nous montre que nous ne sommes pas immunisés contre les tensions. Les tensions viendront. Bashemasi bakuye vyombo ya kazi ya Mungu kwa ajili ya kuleta jibu wakati kutakuya makokotano. Njundu bama atoesha sema atuta epuka ile makokotano wakati tafika. L'esprit de clan va se suscité. Sera suscité dans l'église. Maro ya tumankunji itatokelea mkanisa. L'esprit de tribu va être soulevé dans l'église. Maro ya makabila itashimama mkanisa. Les commérages seront soulevés dans l'église. Makabua bua itakuwa mkanisa. Les groupuscules, les séparations, les traîtrismes seront suscités dans l'église. Mankunji, makokotano, kutowana, bitakuwa, mukanisa. Frère Branham nous dit, ça fait partie de la vie naturelle des pèlerins. Biote bile, biko maisha ya kidesturi ya musafiri. Si le chemin du ciel, il y a des tensions. Mais n'oubliez pas que nous sommes une famille. N'oubliez pas que nous sommes une famille. Les incompréhensions viendront. Un intrus va s'infiltrer au milieu de nous pour créer des zizanies, pour créer des séparations, pour créer des tensions, pour aller comporter les mauvaises nouvelles. Korofi anaweza kuingia katikati yetu kwa ajili ya kuleta makokotano, kukosa kuelewana na kubeba mambo hapa kuipeleka huku na kule. Si le chemin du ciel. Munjia kwenda mbinguni. Si le chemin du ciel. Munjia kwenda mbinguni. Les acclamer viendront. Bakupika bikelekele na mikono batakuya. Umela! Umela, umela, kawia, kawia, umela, kawia. Pasta, umela. Kawia. Ils sont là. Pekwapa. Ils viendront. Batakuya. Umela par rapport à quoi? Ah, kawia, kawia, kulingana na nini? Qu'est-ce que cela signifie? Ile kuna mana kani. Cette manière de me servir, c'est quoi? Ile namna kunitumikia, namna gani ile? Ils viendront. Batakuya. Ils sont là. Pekwapa. Sur le chemin du ciel. Munjia kwenda mbinguni. Les opposants vont être suscités. Les gens aux injures faciles, les femmes comme des hommes, ils ont des injures faciles, sans révérence. Si le chemin du ciel, on va leur dire, mais écoutez, les serviteurs de Dieu méritent un double honneur, il faut du respect, le respect aux serviteurs de Dieu. Sur le chemin du ciel, tant que nous montrerons qu'il faut du respect aux serviteurs de Dieu, ça montre qu'il y aura des gens sur le chemin du ciel qui seront toujours irrespectueux. Ils n'ont jamais eu de considération envers les gens. Il y a des gens qui ont une nature où ils ne respectent personne, ils ne considèrent personne. Ils sont là sur le chemin du ciel. Munjia kwenda mbinguni kutakuwa watu hawana heshima mbele watumishi wa Mungu. Wakati tunahubiri heshima mbele watumishi wa Mungu, maana yake kutakuwa bantu bashipo heshima, batakuwa pale banakosa heshima munjia ya kwenda mbinguni. Il y a tant de collines à gravir. Kuko milima ya mingi ya kupanda. La tension. Kuluka. Parfois cela devient difficile. A wakati ingine ele nakuya nguvu kabisa. Mais. Walakini. Mais. Walakini. Celui qui indique le chemin. Ule pona shonta ile njia. C'est simplement ce qui est mieux. Anajua tu ile nakuya muzuri kabisa. Il sait ce qui est mieux. Anajua ile iko muzuri kabisa. Pour ta vie. Kwa jili ya maisha yako. Lui ne voit pas des choses comme toi. Ye ya shone bintu paka saweye. Il sait ce qui est mieux pour toi. Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur. Lui connaît ce qui est mieux pour toi.
Il sait ce qui est mieux. Anajua ile ko mzuri kabisa. Seigneur, tu connais ce qui est mieux pour moi. Anajua ile ko mzuri kwa ajili yangu. Ce n'est pas ce que toi tu penses qui est mieux. C'est lui qui sait ce qui est mieux. Ni yeye ndio anajua ile ko mzuri. Tu te demandes pourquoi ceci m'est arrivé. Pourquoi mes affaires ne marchent plus. Dis-lui, le Dieu du ciel sait ce qui est mieux. Il sait que pour le moment, il fallait que tu sois un peu en faillite. Il savait que pour le moment, il faut que tu sois un peu dans cette condition-là. Il sait ce qui est mieux pour toi. Dis Seigneur, tu sais ce qui est mieux pour moi. Les peines du chemin ne ressembleront rien du tout. Les peines du chemin, les souffrances du chemin, les calomnies du chemin, les déceptions du chemin, les découragements du chemin ne sembleront rien du tout lorsque nous arriverons au bout de la route. Allons à la recherche de cette empreinte de pas sanglante. Rappelez-vous simplement, mes amis, que les sables ont été lavés dans l'empreinte des pas de cet étranger sur la plage de Galilée. Et cette voix qui dompta les flots agités ne sera plus entendu en Judée. Mais aujourd'hui, je suivrai avec tant de joie les sentiers de ces Galiléens solitaires. Les peines de la route ne sembleront rien quand j'arriverai au bout du chemin. Laissez-moi suivre les sentiers de ces Galiléens solitaires. Aujourd'hui, tu es humilié. Tu es humilié. Aujourd'hui, tu es abandonné. Aujourd'hui, tu es négligé. Laissez-moi continuer. Laissez-moi continuer. Au bout du chemin, je vais oublier. Même si tu es tombé trop bas, même si tu étais un immoral, si tu regardes au calvaire, si tu regardes au calvaire, c'est réglé. C'est réglé. Alléluia. Alléluia. C'est vrai. À peine votre confession sortie de vos lèvres, wakati tu takiri kutoka kumilomo yako, Dieu est dans l'obligation de vous répondre. Mungu eko mumalazimisho ya kukujibu. C'est vrai. Ni bia kweri. Oh yeah. Quand j'y pense, wakati tu naifikiri. Quand j'y pense, wakati tu naifikiri. Confesse seulement. Weye. Toi-même parle de tes lèvres. Dis tes pères. C'est ma Je viens à toi.
Aie pitié de moi. Je reconnais ma faute. Je reconnais que j'ai tort. C'est réglé. C'est réglé. C'est réglé. Ce matin, il y a quelqu'un qui se soucie d'aller au ciel. Ce matin, il y a quelqu'un qui veut aller dans la gloire. Il y a quelqu'un qui est prêt à aller au ciel de Branham. Frère Branham te dit, pour aller au ciel, confesse seulement ton mal. Confesse seulement ton mal. Pendant que tu écoutes ceci, est-ce que tu peux te poser une question? Pourquoi je ne dois pas mettre ma vie en ordre? Pourquoi je dois venir ici sans l'objectif d'aller au ciel? Pourquoi je dois venir ici garder dans mon cœur une certaine méchanceté? Pourquoi je dois venir ici passer un message et garder à moi des mauvais sentiments? Ce matin, nous sommes appelés à nous repentir. Ce matin, nous sommes appelés à confesser. Nous sommes en train d'écouter si le mystère du chemin du ciel. Si le chemin du ciel, lorsqu'on commet n'importe quelle faute, tu veux te relever? Tu veux te relever? Tu veux te relever? Première chose, regarde au calvaire. Cherche les empreintes du sang. Quand tu vois les empreintes du sang, lève les yeux. Regarde au calvaire. Même si tu étais tombé plus bas, même si tu étais le plus immoral, confesse ton mal. Lorsque tu confesses ton mal, c'est réglé. C'est réglé. Quelqu'un est venu ce matin avec le désir dans son cœur de régler sa vie, de mettre sa vie en règle. Ce matin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à mettre sa vie en règle? Ce matin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire le Saint-Esprit? Puisque le mystère du chemin du ciel, écoutez frère Branham, parle-moi. C'est toi mon pasteur. C'est toi mon pasteur Branham. C'est toi mon papa. C'est toi qui me tiens la main. C'est toi qui as dit à Tony Isabel. C'est toi qui as dit à Tony Isabel. Viens. Tu as tenu Tony Isabel à la main. Que le message me tienne à la main ce matin. Que le message m'amène au travers les épreuves. C'est le message qui connaît le chemin du ciel. C'est frère Branham qui connaît le chemin du ciel. Lui-même aussi, il est le chemin. C'est lui qui connaît le chemin du ciel. Ce matin, est-ce que tu vas faire tout ce que Branham va te dire? Branham te dit, passons ici. Passons ici. Passons ici. Ici, confesse. Confesse. Répare. Tubu. Confesse. Tubu. Avançons. Frère Branham arrive avec moi. Il arrive avec moi quelque part. Il me dit ici, il te faut le Saint-Esprit. Frère Branham, parle-moi. Frère Branham, conduis-moi.
dans la prédication se tenir à la brèche. Ndani ya mahubiri kusimama katika pengo. Ha. Eh. Se tenir à la brèche. Simama katika pengo. Paragraphe 137, 138, 139. Kifungu yake ya 139. Voire même 140. Écoutez ceci. Sikilizeni. Si je puis le dire, kama tu minaweza kuisoma, moi Victor Ledoux, mie Victor Mupole, je suis un Français pur sang, c'est-à-dire comme chez nous, comme chez nous on dit de père et de mère. Je suis un Français de père et de mère. Bon. Utilisons les termes que Frère Branham a utilisé. Je suis un Français pur sang. Niko ule mu France wa damu ya safi kabisa. Un chrétien né de nouveau. Ule mkristo aliyezalika mala ya pili. Rempli du Saint-Esprit. Aliyejaziwa na Roho Mtakatifu. Mon adresse c'est 89 North King Road. Anwani yangu ni 89 North King Road. Los Angeles 46. Ule ku Los Angeles 46. Je fréquente le temple Bethel. Nengiaka mwekalu temple Bethel. Du pasteur Arne Vick. Ya mchungaji Arne Vick. Le pasteur. Mchungaji. Je certifie que c'est une traduction exacte de la prophétie faite sur Frère Branham. Hakikisha ya kwamba ni utafsiri ya kweli kabisa ya unabii uliofanyiziwa pa ndugu Branham. Et donné par Danny Henry en français. Iliyoletwa na ndugu Danny Henry mukimombo. Le 11 février 1961. Tarehe 11 mwezi wa 2 mwaka wa 61. Au déjeuner des hommes d'affaires du plein évangile. Wile chakula asubuhi afanya biashara ya injili ya tele. C'est une traduction exacte de la prophétie. Voici donc ce que disait la prophétie. Puisque tu as choisi le chemin étroit, le chemin le plus difficile dans lequel tu marches selon ton choix. Maintenant je comprends cela. Moïse a aussi dû faire un choix, son choix. Voyez-vous, moi aussi je fais mon choix. Et quand on fait un choix, pasteur acheté, mchungaji racheté, quand on fait un choix, on doit endosser les conséquences de son choix. Mon frère, ma soeur, yangu, quand vous faites un choix, chakula, vous avez choisi librement yako, tout ce qui viendront comme difficulté, comme conséquence, endossons notre choix. Mon frère, yangu, c'est toi qui as choisi cette femme. Ule bibi, ni we mwanjo rilichakuria, tu dois endosser les conséquences de ton choix. Vinyume ya machakuzi yako. Nous avons choisi le message. Ulichakula ujumbe. C'est un chemin difficile. Njia ya nguvu kabisa. Endossons les choix. Uichikie machakuzi yetu. Tout ce qui va nous survenir. Magumu yote ile tatufikia. Même si la mort venait. Hata kama ni lufu njo unafika. J'avais déjà fait mon choix. Chakula. Je connais ce que j'ai choisi. Ninajua yenyewe ile nilichakula. Que ce soit la vie ou la mort. Hata kwa lufu wala uzima. J'ai choisi de servir Dieu. Nilichakula kutumikia Mungu. S'il faut dormir affamé. Kama inapasha nilale na njala. Je dois respecter mon choix. Inapasha kuheshimia machakuzi yangu. Tu pouvais faire autre chose. Uliweza kufanya bintu bingi. Tu pouvais être député. Tu pouvais être un politicien. Tu as abandonné tout ça pour le message. Alors tu as fait ton choix. Tu dois endosser. Supporter les conséquences de ton choix. Dans ton choix, tu seras humilié.
Dans ton choix, on doit cracher sur toi. Dans ton choix, tu dois dormir affamé. Dans ton choix, tu auras des difficultés. C'est toi qui as choisi cette femme. Tu l'as choisi sans savoir qu'en elle, il y a une source intérissable d'injure. Quand elle va commencer à te lapider, supporte ton choix. N'associe pas ton choix que ça ne soit pas l'affaire des diacres. Oh, diacre, venez chez moi. Oh, pasteur, votre sœur ici, c'est toi qui l'as choisi. On a béni votre mariage ici. Laissez le pasteur tranquille. Laissez le diacre tranquille. Tu ne savais pas qu'elle va injurier ta maman. Pourquoi tu veux faire des problèmes aujourd'hui? Endosse les conséquences de ton choix. Et nous aussi, nous avons choisi de servir Dieu au Congo. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. On va te traiter d'un vagabond. On va te prendre pour quelqu'un qui va chercher l'argent. On va te prendre pour un aventurier. Mais tu connais la chose qui est en toi. Endosse les conséquences de ton choix. Frère Branham a dit, Moïse avait endossé les responsabilités de son choix. Et Branham aussi a fait son choix. Puisque tu as choisi le chemin étroit, c'est un chemin difficile. C'est un chemin populaire. Dans ce choix, on n'a pas besoin de camarades. Non. Souvent, on est seul. Seul contre tout Lubumbashi. Tu te retrouves seul contre tout Lubumbashi. Mais tu as fait un choix. Trouve ça normal. Tu dois faire un choix. Il ne faut pas dire, oh non, voilà, les gens ici, ils se jouent de moi. Ils ne savent pas, ils ne savent pas que moi je suis... Je ne suis pas n'importe quel diacre, moi je suis grand. Non, on va cracher sur toi. On va cracher sur toi. On va cracher sur toi. En faisant le choix d'accepter d'être diacre, accepte d'être serviteur. Puisque tu as fait ce choix, puisque tu as choisi le chemin étroit, le chemin le plus difficile dans lequel tu marches selon ton choix, tu as pris la voie exacte et la décision correcte. Et c'est ma voie. Ton choix, c'est ma voix. Mais regardez maintenant comment il y a trop de mépris sur cette voix. Il y a de n'importe quoi sur cette voix. C'est la voix de Dieu. La voix de Dieu, ce n'est pas toujours une voie où on est assis sur un lit fleuri, où tout se passe bien. Ce
là où tout va bien, il y a une bonne sauce d'histoire grillée à la maison. Tout va bien. Vraiment, les messages, tout va bien. Oui, certes. Dans les messages, tout va bien. Mais il y a aussi des épreuves. Il y a aussi des déceptions. Il y a aussi des difficultés. Imaginez-vous, Marthe et Marie, devant leur choix, ils ont choisi Jésus. Mais leur frère Lazare est mort. Il n'y avait pas de téléphone pendant 7 ans. On a vu les gens pour appeler le pasteur Jésus. Le pasteur ne vient pas. Si c'était aujourd'hui, ici, vous appelez le pasteur Jésus, il ne vient pas. Il fait, par contre, il s'éloigne, il va loin. Vous envoyez quelqu'un le suivre à Likasi. Il quitte Likasi, il va à Kolwezi. Quel genre de pasteur? Quel genre de pasteur? Qui peut comprendre la nature de Marthe et de Marie? Est-ce que vous pouvez dire que vous avez déjà cette nature ou vous avez quelque chose d'autre qui n'est pas encore comme la nature de Marie et de Marthe? C'est ma voix. Ma voix est soulignée. C'est le Saint-Esprit qui parle là. À cause de cette importante décision, une grande portion du ciel t'attend. Maintenant, écoutez attentivement. Quelle glorieuse décision tu as prise? Ceci en soi est ce qui amènera et fera réaliser l'éclatante victoire dans l'amour divin. Les choix que vous avez faits, choisir le message du temps de la fin, vous avez fait un bon choix. Ne vous découragez pas. Peu importe les épreuves, peu importe les difficultés, vous avez d'abord fait un bon choix. Les choix que vous venez de faire, Frère Brenham a dit, c'est la voix de Dieu. Oh, je suis sur la bonne voie. Moi, je suis sur une bonne voie. Est-ce que quelqu'un peut reconnaître son choix comme étant la bonne voie? Ce matin, qui est en train de se décourager de son choix? Frère Branham me montre à moi et à toi qu'en choisissant cette voie, le message du temps de la fin, nous avons fait un bon choix. C'est la voie de Dieu. Alléluia. Alléluia. 139, remarquez. Le verbe précède l'adverbe, voyez-vous? Le français, eh bien, l'interprète des Nations Unies a interprété cela. Ce jeune homme n'en connaît pas un seul mot. Il n'a jamais entendu parler d'une chose comme parler en langue. Il était un baptiste. C'est par hasard qu'il était entré là.
Et il avait entendu cette musique. Il a dit qu'il s'était approché de là. Il s'était tenu là. Et il m'a écouté prêcher. Eh bien, 140. Dans l'amour divin, le choix qui conduit dans l'amour divin, c'est que mon choix me conduit dans la pyramide. Ce matin, mon choix me conduit dans la pyramide. Et je vais marcher de la foi à la vertu, de la vertu à la connaissance, de la connaissance à la patience, de la patience à la piété, ainsi de suite, jusqu'à l'amour parfait. Le choix que tu as fait te conduit dans l'amour parfait. Oh, l'amour divin. Comment cela peut-il être l'amour divin si ce n'est pas le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est l'amour divin. Le Saint-Esprit, c'est l'amour divin. Nous avons besoin de l'amour divin. A fellowship. J'ai besoin de l'amour divin dans ma vie. J'ai besoin de l'amour divin dans mon église. J'ai besoin de l'amour divin dans mon ministère. Que mon ministère soit mailloté de l'amour divin. J'ai besoin de l'amour divin dans mon foyer. Tu as besoin de l'amour divin dans ton mariage. Tu as besoin de l'amour divin dans tes entreprises. Nous avons besoin du Saint-Esprit. L'amour divin, c'est le Saint-Esprit. Nous avons besoin d'un Saint-Esprit authentique qui va baptiser du feu fellowship tabernacle. Afin que les commérages quitte dehors. Que les calomnies soient boutées dehors. Que l'égoïsme et la méchanceté quittent l'église du Dieu vivant. Nous avons besoin d'une vie sanctifiée. Nous avons besoin du Saint-Esprit dans nos vies. Pour les voyages du ciel, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'amour divin. Quelqu'un peut venir ici et ne pas désirer le Saint-Esprit. Ce matin, qui est venu ici avec le désir d'avoir le Saint-Esprit? Qui désire le Saint-Esprit? Ce matin, tu dois désirer le Saint-Esprit. Ne dis pas que tu n'as pas besoin. C'est la chose essentielle pour le mystère du chemin du ciel. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Pour aimer ton frère, pour aimer ta sœur, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit pour les voyages du ciel. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Écoute, frère Branham. Écoute, frère Branham. Dans la prédication, crois-tu cela? Au paragraphe 100. Je commence un peu au milieu. Chaque homme ou chaque femme ici présente qui a besoin de Dieu peut recevoir cela maintenant même. Aide-moi, Seigneur, pour que les critiques me quittent.
pour que la méchanceté me quitte. Aide-moi, Seigneur. Je n'ai pas besoin de rater. Je n'ai pas besoin d'être un chrétien limitrophe. D'être un chrétien limitrophe. Moi, je vais aller jusqu'au bout. Je vais posséder toute la chose essentielle. Frère Branham te dit, chaque homme ou chaque femme ici présente qui a besoin de Dieu peut recevoir cela maintenant même. Croyez-vous cela? Croyez-vous cela? Croyez-vous cela? Croyez-vous cela? Tu peux recevoir Dieu, le Saint-Esprit, maintenant même. Combien croient de tout leur cœur maintenant? Maintenant, vous péchez. Vous qui cherchez le Saint-Esprit, voici de quoi le Saint-Esprit est l'ami. Vous qui le cherchez, vous n'avez pas à chercher, à s'y plier et à entendre. Il est juste avec vous maintenant. Voyez-vous, vous direz, eh bien, il nous faut une réunion d'attente. Attendre veut dire patienter. Pas prier. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit, il dit patienter jusqu'à la fin de 40 jours, ou plutôt 50 jours, pour la Pentecôte. Après cela, il n'y a plus à patienter. Ce sont les Pierre et les Marie qui devaient patienter pendant 40 ou 50 jours. Mais maintenant, à ce temps de la fin, vous pouvez recevoir cela maintenant même. Il n'y a pas à patienter. C'est là où on a patienté. Dans la chambre haute. Mais nous ici, nous sommes enseignés. Nous ici, nous sommes dans la chambre haute. Nous ici, nous sommes dans la chambre du prophète. Nous ici, nous sommes dans la chambre du roi. Alléluia. Alléluia. Après cela, il n'y a plus à patienter. Vous pouvez le recevoir même maintenant même. Il n'y a plus question d'entendre. C'est juste maintenant. Il est juste question d'avoir un cœur disposé. Levez juste les mains vers Dieu. L'autre jour, suivez. L'autre jour, quand cet archevêque se tenait là, il a combattu mon Point. Il a dit, Arisema, il y a 4 mois, il m'a critiqué. Qui? Nani? Cet archevêque. Il s'est moqué de moi et tout le reste. Il est entré dans la pièce. Il a dit, je vais recevoir le Saint-Esprit. Je lui ai simplement imposé les mains. Et le Saint-Esprit est venu sur lui. Si le Saint-Esprit était venu sur un archevêque qui avait critiqué Branham. Si le Saint-Esprit est venu sur l'archevêque qui avait
combattu frère Branham. Est-ce que toi tu as déjà combattu frère Branham? Est-ce que toi tu l'as déjà critiqué? Qu'est-ce qui va t'empêcher d'avoir le Saint-Esprit? C'est ta promesse ce matin. Pour le chemin du ciel. L'archevêque qui a critiqué Branham a reçu le Saint-Esprit. L'archevêque qui a combattu frère Branham a reçu le Saint-Esprit. Dites seulement Seigneur, si l'archevêque qui t'avait critiqué, qui t'avait combattu, a reçu le Saint-Esprit, pourquoi pas moi? Moi je n'ai pas critiqué frère Branham. Moi je n'ai pas combattu frère Branham. Par contre, moi j'aime frère Branham. Moi j'aime frère Branham. Moi j'aime frère Branham. Tu as droit au Saint-Esprit. Tu as droit au Saint-Esprit. Le problème, c'est au niveau des désirs. Est-ce que tu désires alors le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est pour ceux qui le désirent. Le Saint-Esprit est accordé à ceux qui le désirent. C'est pourquoi l'archevêque, même s'il avait combattu Branham, même s'il avait critiqué Branham, mais comme dans son cœur, il avait désiré le Saint-Esprit, Dieu donne le Saint-Esprit à celui qui a soif, à celui qui en a soif, à celui qui désire. Ce matin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu ici pour désirer le Saint-Esprit? Pas dans les dénominations, pas chez les catholiques. Là, ils vont pour autre chose. Mais ici, nous venons pour désirer le Saint-Esprit, puisque nous désirons le Saint-Esprit. C'est pour ça que nous venons ici, pour le voyage du ciel. Pour le voyage du ciel. Pour le voyage du ciel. Nous venons ici pour le voyage du ciel. Écoutez, frère Branham. Je vais recevoir le Saint-Esprit. Il est venu, il a dit, je vais recevoir le Saint-Esprit. Je lui ai simplement imposé les mains. Et le Saint-Esprit est venu sur lui. Ça est un. Le docteur Lee, l'un des grands fondamentalistes du Sud, est venu là pour lui qui m'a traité de sorcier. Et l'autre jour, il s'est assis chez moi. Les larmes coulaient sur ses joues. Il a reçu le Saint-Esprit. Il n'arrivait plus à parler anglais. C'est exact. Il a dit, frère Branham, maintenant, je suis votre frère. Il a reçu le Saint-Esprit. Qui? Celui qui avait traité Branham de sorcier. Tu as déjà atteint ce niveau? Tu as déjà atteint ce niveau? Le docteur Lee a traité frère Branham de sorcier. Mais dans son cœur, il désirait avoir le Saint-Esprit. Frère Branham dit que Lee a reçu le Saint-Esprit. Et il a dit, frère Branham, tu es mon frère. Tu es maintenant mon frère. Le sorcier devenu son frère. C'est qu'il est entré lui aussi dans la sorcellerie de frère Branham. Ce matin, pourquoi ne pas entrer dans la sorcellerie de frère Branham? Moi je veux que cet esprit qu'on a traité de sorcellerie d'Abraham puisse aussi entrer à moi. Et quand ça va entrer à toi, tu
tu seras traité de sorcier. Tu seras traité de sorcier. Tu seras traité de sorcier. Pourquoi nous sommes sur le chemin du ciel? Si le chemin du ciel, on va nous traiter de sorcier. Si le chemin du ciel, on va nous traiter de tous les noms. Docteur Lee. Docteur Lee a reçu le Saint-Esprit. Frère Branham, maintenant je suis votre frère. Écoutez, frère Branham. Oh! Quelle différence! Ce qu'il a fait pour le docteur Lee, pour le docteur Erdich, pour l'évêque et toutes ces autres personnes, il est juste ici, prêt à le faire pour le plus petit. Ce matin, il est ici pour faire cela au plus petit. Il a fait cela à l'évêque. Il a fait cela à docteur Lee. Il leur a donné le Saint-Esprit. Puisqu'il désirait cela, le Saint-Esprit dans ton cœur te fera moins parler. Le Saint-Esprit dans ta vie va te rendre aimable. Le Saint-Esprit dans ta vie va te faire aimer la personne qui te hait. Si tu réponds le mal par le mal, ça montre qu'il n'y a pas de Saint-Esprit. Là où il y a le Saint-Esprit, on répond au mal par le bien. Là où il y a le Saint-Esprit, on fait du bien sans attendre à quelque chose au retour. Le Saint-Esprit, c'est pour mon voyage. Frère Branham a dit, est-ce que ce matin, il n'y a pas à attendre? Est-ce que vous le désirez dans votre vie? Est-ce que vous désirez le Saint-Esprit? Écoutons Frère Branham. Personne, l'ivrogne qui quittera la rue et qui se repentira de ses péchés, Dieu vous accordera le Saint-Esprit béni. Même si tu as passé nuit dans une boîte de nuit, même si tu viens de la maison de prostitution, si vous désirez le Saint-Esprit dans votre vie, même si vous veniez d'ensorceler, si vous confessez et vous désirez le Saint-Esprit dans votre vie, immoral, viens. Toi, immoral, viens. Toi, ivrogne, viens. Dieu vous accordera le Saint-Esprit béni. Hier soir, pendant que je traversais en voiture le quartier des clochards, j'ai vu cette scène de la vie. L'autre côté, ces pauvres personnes ivres entassées dans la rue. Frère Bonz et moi, nous passions par là de voir quel spectacle pitoyable c'était. Ni t'était la grâce de Dieu, ce serait vous. Ni t'était la grâce de Dieu, ce serait moi. Mais bien aimé, ces hommes qui sont des clochards, ils ne sont pas différents de vous et moi. C'est seulement la grâce de Dieu. Ni t'était la grâce de Dieu, tu serais vagabond. Ni t'était la grâce de Dieu, je serais vagabond. C'est la grâce de Dieu qui t'a donné du bon sens. C'est la grâce de Dieu qui t'a donné la valeur. La grâce de Dieu
Dieu. C'est le message de l'air. C'est la grâce qui t'a ramassé. C'est la grâce qui t'a lavé. C'est la grâce qui t'a habillé. La grâce a fait de vous un homme de valeur. La grâce a fait de vous une femme de valeur. Il y a des femmes qui sont dans la rue. Elles ne sont pas différentes de vous. Ce que tu es, c'est la grâce. C'est la grâce. C'est la grâce. On t'appelle responsable. Par à cause de la grâce. C'est par la grâce. La grâce t'a ramassé. La grâce t'a lavé. La grâce t'a éduqué. La grâce a fait de toi responsable. Ne laissez pas les messages. N'abandonnez pas les messages. Le message a fait de toi une personne importante. Tu dois désirer le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, le ciel est garanti. Avec le Saint-Esprit, l'enlèvement est garanti. Avec le Saint-Esprit, le salut est garanti. Tu dois le désirer. Tu dois le désirer. Plus que le travail, plus que le mariage, plus que le voyage. Aimez le message. Le message t'a ramassé. Tu pouvais être dans la rue. Tu pouvais être dans la rue. Tu pouvais être un clochard. Nous sommes des rescapés. Nous sommes des rescapés. Le message nous a ramassé de justesse. Le message m'a ramassé. Le message t'a élevé. Le message t'a donné un nom. Le message t'a donné des frères. Le message m'a donné des saints. Alléluia. 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 Ce matin, est-ce que tu es disposé à recevoir la récompense du prophète? Ce matin, est-ce que tu es prête à recevoir la récompense du prophète? Puisque tu l'as aimé, puisque tu l'as aimé, puisque tu l'as aimé, Dieu est là pour te donner le Saint-Esprit comme récompense. C'est ça, l'étiquette du ciel. Il est là. Il a donné ça à l'archevêque. Il a donné ça au docteur Lee. Il a donné ça à un ivrogne. Il a donné ça aux immoraux. Et toi, il n'a pas donné aux chiens. Mais le chien était là. Le cheval n'avait pas d'âme. Si le cheval avait d'âme, il aurait le Saint-Esprit. Si toi, tu n'avais pas d'âme, tu n'allais pas avoir le Saint-Esprit. On te donne le Saint-Esprit puisque tu as une âme. Si tu étais comme le cheval ou le chien, tu allais partir gratuitement sans le Saint-Esprit. Mais puisque tu as une âme, il faut qu'il te donne ça. Il faut qu'il te donne ça. Il faut qu'il te donne ça. Preuve de l'approbation de Dieu. Preuve de l'approbation de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh. Ça a aidé. Des mères, ba mama, des garçons, ba biyana, des hommes ba naume, qui autrefois étaient des hommes bien, ba le zamani walikuwa watu wema, ils étaient étendus là. Maintenant, à cet endroit, mon cœur saignait tout simplement. Hier, j'ai eu de la peine à m'endormir pendant des heures. Après être rentré à la maison, à force d'y penser,
Que puis-je faire, Seigneur? Dieu vous a donné le privilège de vous tenir ici aujourd'hui en bonne santé. Dans votre bon sens, regardez droit au calvaire. Mais tous ces gens, demain, des enfants qui sont dans la rue, des clochards. Frère Brenham me dit, j'ai vu des mains folles dans la rue. Elle a des enfants. Ce que tu as, c'est la grâce. Tu as reçu la grâce. Tu as reçu la grâce. Il y a des papas comme vous, des clochards, qui sont des clochards. Il a votre âge. Il a même votre taille. Tu regardes la femme. Une femme qui a été une bonne mère. Mais elle a perdu l'essence. Oh Dieu, viens à mon secours. Frère Brenham me dit, la grâce de Dieu, la grâce que Dieu vous a faite, doit vous conduire ce matin à regarder au calvaire et à désirer le Saint-Esprit. Dis Seigneur, je ne sortirai pas d'ici avec des rancunes dans mon cœur. Donne-moi le Saint-Esprit. Je ne sentirai pas comme je suis entré. Donne-moi le Saint-Esprit. Jeune fille, tu dois désirer le Saint-Esprit. Jeune garçon, tu dois désirer le Saint-Esprit. Papa, Baba, maman, tu dois désirer le Saint-Esprit. Eh bien, Dieu Mungu va vous bénir atakubariki et vous donner le Saint-Esprit à l'instant même. Atakupatia Rom takatifu apa apa tu. Croyez-vous cela? Unamini ile. Croyez-vous cela? Unamini ile. Croyez-vous cela? Unamini ile. Croyez-vous cela? Unamini ile. Écoutez, Sikilisa. Maintenant, Sasa, j'aimerais que vous fassiez quelque chose. Mina penda ufanye kitu moja. C'est Branham qui nous parle. Ni Branham jo na kuelezea. Je voudrais maintenant que vous fassiez quelque chose. Napenda ufanye kitu moja. Si vous voulez bien faire ceci, kama tu unaweza kufanya hivi, vous y êtes? Unanifuata? Oubliez qui se tient à côté de vous. Sabwa ni nani ashakuikala kumpembeni yako. Commencez par oublier. Anzi hapo kusabwa ule kumpembeni. Ne regardez pas la personne qui reste à côté de vous. Ule mtu ashakuikala kumpembeni yako. Oubliez qui est à la salle. Sabwa nani ule komui kanisa. Oubliez même où vous vous trouvez. Sabwa atafashile wewe wiko. Dites tout simplement. We sema tu. Seigneur Jésus. Buana Yesu. Seigneur Jésus. Buana Yesu. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je viens à toi. Je viens à toi. Tu m'as promis. Tu m'as promis. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Avec ton aide. Avec ton aide. Je ne quitterai point cet hôtel. Je ne quitterai point cet hôtel. Jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que tu m'aies donné, le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je viens à toi. Je viens à toi. Tu m'as promis le Saint-Esprit. Tu m'as promis le Saint-Esprit. Et avec ton aide. Et avec ton aide, je ne quitterai point cet hôtel. Je ne quitterai point cet hôtel. Jusqu'à ce que tu m'aies donné. Jusqu'à ce que tu m'aies donné. Le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Ça est trois. Si vous êtes déterminé à ce point
devant Dieu. Et que vous soyez sincère à ce point. Vous sortirez d'ici avec le baptême du Saint-Esprit. Étant scellé dans le royaume de Dieu. Pour combien de temps? Jusqu'à la fin de votre voyage ici sur terre. Nous allons quitter ce monde. Nous allons quitter ce monde. Préparons-nous à quitter ce monde. Les vestes vont rester. Les jupes vont rester. Les temples vont rester. Les chaussures vont rester. Les mariages vont rester. Nous allons quitter ce monde. Préparons-nous. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Seigneur, je ne quitterai pas ici jusqu'à ce que tu m'aies donné ce que tu as promis. La promesse est pour moi. La promesse est pour moi. La promesse est pour moi. Seigneur, comment moi je vais mourir critiqué? Comment moi je vais mourir avec la haine dans ma vie? Comment moi je vais mourir avec des problèmes dans mon cœur? Non. Apana. Cela n'était pas le cas avec Sarah. Il a ville na Sarah. Ce n'était pas le cas avec Rebecca. Il a ville na Rebecca. Ce n'était pas le cas ville avec Shadrach. Na Shadrach. Non, Seigneur. Amna buana. Non, Seigneur. Amna buana. Si vous êtes déterminé à ce point devant Dieu, et que vous soyez sincère à ce point, vous sortirez d'ici avec le baptême du Saint-Esprit, étant scellé dans le royaume de Dieu. Pour combien de temps? Jusqu'à la fin de votre voyage sur la terre. Hébreux 4:30 et Éphésiens 4:30. Ça dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellé pour les jours de votre rédemption. Alors vous êtes en sécurité là-bas en Christ. C'est le conseil que Frère Branham donne. Vous aurez le Saint-Esprit. Nous allons de baptême en baptême, de remplissage en remplissage. Quand nous aurons le Saint-Esprit, ne l'attristons pas. Ne l'attristons pas. Ne l'attristons pas. Ne l'attristons pas. Vivons la parole de Dieu. Suivons sa conduite. Il nous conduira dans le bon. Il nous conduira dans notre voyage. Désirez-vous le recevoir? Combien dans la salle désirent le recevoir maintenant même? Le baptême du Saint-Esprit. Très bien. Dieu est-il un menteur? C'est Dieu qui a promis le Saint-Esprit. Frère Branham me dit, Dieu est-il un menteur? Comme il ne ment pas, ce qu'il va me le donner, c'est pour moi. C'est pour toi. C'est pour toi, ma sœur. Le Saint-Esprit, c'est notre promesse. C'est pour nous. Loin de Dieu de dire quoi que ce soit de faux. Maintenant,
sasa, Dieu a fait la promesse Mungu alifanya malako, que asema, quiconque désire qu'il vienne boire akuye, akunye, aux fontaines d'eau de la vie. Kumachemchemu ya maji ya uzima. Est-ce exact? Eti ni kweli? Je vais vous dire minafia kukwelezea, ce que je, dire, je désire que vous fassiez. Kile minatamani ufuanye. Tenez-vous tout autour de l'autel. Simama uku kando kando ya mazabau. C'est frère Branham qui me dit ça. Indugu Branham njo na kuelezea vile. Je vais vous dire minta kuelezea ce que je désire que vous fassiez. Kile mina penda ufuanye. Tenez-vous tout autour de l'autel. Simama apa kando kando ya mazabau. Qui les désire? Nani namtamani Roho Mtakatifu? Tenez-vous autour de l'autel. Simama uku kando kando ya mazabau. Posez vos mains les uns sur les autres. Mwekeane mikono wa moja yulu ya wengine. Pasteur, mchungaji. Tenons-nous fellowship. Fellowship, tu digusse si tu ote. Chacun de vous. Kila mmoja wenu. Partout là-bas. Pali pote kule. Je veux que. Mina penda. Vous qui êtes là. Mweba lebeko pale. Et qui désirez recevoir le Saint-Esprit. Na munatamani mumupoke Roho Mtakatifu. Vous posiez les mains les uns sur les autres. Mwekeane mikono wa moja yulu ya wengine. Je veux que vous répétiez ceci dans votre cœur. Mina penda museme hivi mumoyo yenu. Oh Dieu. Oh Dieu. Dans votre cœur. Mumoyo yenu. Oh Dieu. Eh hey, Mungu. Je ne quitterai pas ce lieu. Shita toka pai fasi. Jusqu'à ce que tu m'aies donné le Saint-Esprit maintenant même. Paka na palo tanipatia Roho Mtakatifu hapa sasa hapa. Et Dieu va vous l'accorder. Na Mungu atakupatia ile Roho Mtakatifu. Croyez-vous cela? Unaamini vile? Maintenant, hapa sasa, levons nos mains. Tupandisheni mikono yetu yulu. Relevons nos têtes. Tupandishe bichwa yetu yulu. Rendons grâce à Dieu. Tumrudishie Mungu utukufu. Rendons lui gloire. Tumrudishie utukufu. Pour le baptême du Saint-Esprit. Kwa ajili ya ubatizo wa Roho Mtakatifu. Seigneur Jésus. Bwana Yesu. Envoie le Saint-Esprit. Umutume Roho Mtakatifu. Maintenant même. Hapa sasa hapa. Remplis chaque cœur ici. Yaja kila moyo hapa. Seigneur. Bwana. Que la puissance du Saint-Esprit. Ile uwezo wa Roho Mtakatifu. Se mette à descendre sur ces gens. Que des signes Malama et des prodiges accompagnent. Ipeleke. Seigneur, Buana. Que ceci I soit le plus grand jour de ce réveil. Ipate kwa siku kubwa ya iamko. Que le Saint-Esprit Roho Mtakatifu descende achuke. Et que les malades bagonjwa soient guéris. Bapone. Que les sourds entendent. Biziwi basikie. Que les aveugles voient. Bipofu baone. Que l'Esprit de Dieu Roho ya Mungu remplisse le cœur iaje moyo de chaque croyant kila mwamini ici présent. Uleko hapa. Accorde le Seigneur. Uikubali Bwana. Maintenant sasa, nous avons demandé. Tunaomba. Tu as dit que walisema, lorsque le peuple a prié wakati taifa iliomba de même encore kwa moyo moja les bâtiments où ils étaient rassemblés trembla majengo yote yenye na kusanikwa. Envoie une secousse à l'ancienne mode sur chaque âme, Seigneur, afin que ces gens puissent recevoir le baptême
Saint-Esprit. Priez. Ombeni. Thank you.
là où tu es. Impose ton frère la main. Facile wiko, weka mkono yule ya nduku yako. Mets la main sur ton frère, sur ta sœur. Weka mkono yule ya nduku yako, yule ya dada yako. Merci Jésus. Accent Yesu. Notre merveilleux Père céleste. Papa yetu amastajabu wa mbinguni. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Uko sawa sawa leo jana hata milele. Nous venons de répéter ton prophète. Tunatoka kusemulula nabii wako. Laisse que tu puisses confirmer cela comme tu l'as déjà commencé. Akikisha ile paka vile ulishaanza. Que le Saint-Esprit de Dieu. Roho Mtakatifu ya Mungu. Merci Seigneur. Asante Bwana. Descends. Shuka. 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 Envahis ce corps. Ingia muhimili. Envahis ce corps. Yala muhimili. Envahis ce corps. Yala muhimili. Entre dans ta fille. Ingia muhimili. Entre dans ton fils. Ingia ndani. Dans les cœurs disposés. Ingia ndani. Entre Seigneur. Ingia Bwana. Entre Seigneur. Ingia Bwana. Entre Seigneur. Ingia Bwana. Baptise tes enfants. Baptise tes enfants. Baptise tes enfants. Baptise tes enfants. Baptise abatoto yako. Seigneur Jésus. Bwana Yesu. Merci. Aksanti. Merci. Aksanti. Merci. Aksanti. Merci. Aksanti. Merci pour ta présence. Aksanti kwa ajili ya uwepo wako. Merci. Aksanti. 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 C'est la promesse. Ni malako. 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 Accompli. Accomplis-le. Accomplis la promesse. Accomplis la promesse. Accomplis-la. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu de Branham. Mungu Abraham. Tu es vivant. Uko mujima. Dieu de Branham. Mungu Abraham. Tu es vivant. Uko mujima. Tu es vivant. Uko mujima. Tu es vivant. Uko mujima. Agis. Entre. Ingia. Baptise tes Baptiste enfants. Abatotoyako. Baptise tes enfants. Baptise tes enfants. Dis Saint-Esprit. Baptise tes enfants. Dis Saint-Esprit. Baptise tes enfants. Dis Saint-Esprit. Il est là. Et quoi pas? Merci Jésus. Accent Yesu. Il est là. Et quoi pas? 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 Il est dans la salle. Et comme il canisa. Il est là. Echo apa. Il est. Echo. Il est là. Echo apa. Il est dans l'auditoire. Echo mwikanisa. Sa gloire remplie d'auditoire. Utukufu yake na l'auditoire est rempli de sa gloire. Yaza na utukufu yake. Père, Baba. Je viens chasser les démons de maladie. Mina kuya kuandama mampepo ya magonjwa. Le Seigneur Jésus est là. Bwana Yesu est là. Toi démon de maladie. Wewe mpepo wa magonjwa. Je te donne les ordres. Quitte ce corps. Toka mwili. Toka. Rate la Bible. Au nom de Jésus. Mujina la Yesu.
magonjwa yote. Quittez. Tokeni. Sortez. Tokeni. Vous êtes un démon. Mwegu mpepo. Merci Seigneur. Aksanti Bwana. Merci Seigneur. Aksanti Bwana. Merci Seigneur. Aksanti Bwana. Merci pour les visions du Saint-Esprit. Merci pour les visions du Saint-Esprit. Aksanti Bwana. Merci Seigneur. Aksanti Bwana. Merci Seigneur. Aksanti Bwana. Merci pour ce que tu as confirmé ta parole. Aksanti kwa vile unakikisha neno yako. Délivre les captifs. Kombola bafungwa. Pour ta gloire. Kwa ajili ya utukufu yako we mwenyewe. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jina ya Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. Est-ce que je peux transmettre vos salutations? Soyez dans la paix, vous êtes sous l'onction, il est là. On garde nos têtes inclinées. Gardons cette atmosphère d'adoration. Sur les chemins va sans peur, car Jésus est devant toi. Jésus est le Rédempteur. Oh, suis-le. Sur les chemins va sans peur. Restons debout, nos têtes inclinées. Jésus est devant toi. Jésus est le Rédempteur. Oh, suis-le par la foi. Et si tu tombes. Regarde Jésus ton roi. Il est dans les lieux très saints et il prie pour toi. Maintenant saisis la main de ton Sauveur, car lui seul doit donner l'éternel bonheur. Il s'est donné sa vie sur la croix. Aussi-le par la foi. Maintenant, avec nos têtes inclinées, je vais pouvoir demander s'il y a quelqu'un dans cet auditoire qui n'a jamais reçu le Seigneur Jésus dans sa vie. Et que le message de ce matin t'a touché. Sur le mystère du chemin du ciel. Nous avons un ciel à gagner et un enfer à éviter. Si ton cœur est touché, tu n'as jamais reçu le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le seul vrai baptême biblique. Si tu es là et que tu veux accepter ce matin d'être baptisé, de donner ta vie à Jésus-Christ, lève la main là où tu es.
Tu dis, Seigneur, prends ma vie. Na useme Bwana chukua maisha yangu. Je vois une main là-bas vers le frère. Naona mkono mmoja kule ngambo wa duku. Que Dieu te bénisse, frère. Mungu akubariki nduku. Une main ici chez les sœurs. Mkono mmoja hapa kwa dada. Il y a une autre main là derrière. Unakuwa mkono mwingine kule nyuma. Qui accepte de prendre le baptême ce matin au nom de Jésus-Christ? Ni nani mwenye kubali kuchukua ubatizo ya asubuhi mjina Yesu Kristo? Lève bien ta main là où tu es. Inyua mzuri mkono yako fwa shiwiko. Oh, acclamons pour ces mains levées. Eh, pigerekeni kwa ajili ya hii mikono yenye kuinuliwa. Croyez de tout votre cœur. Mwaminieni na mioyo yenu yote. Que le Seigneur Jésus va te donner son Saint-Esprit. Kusema Bwana Yesu Kristo atakupatia Roho Mtakatifu wake. Le ticket pour le ciel. Tiketi kwa ajili ya mbingu. C'est le Saint-Esprit. Ni ule Roho Mtakatifu. La voix du Seigneur m'appelle. Sauti ya Bwana kunaniita. Oh, c'est vrai. La voix dit Seigneur m'appelle. Chemin du dans ciel. Dans les bons, le mauvais. Il n'y a pas que la facilité. À toi pour mourir, vivre. Amen. À toi, je vais subir mon choix. Pour toujours. Mais le chef, mais Dieu calme.